Bonjour tout le monde, bonjour mes amours, bonjour les chéris d'ambre, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Alors je vous ai promis des choses, de vous faire, ça fait longtemps que je parlais de ça, de vous faire des petites vidéos sur mes passions. J'ai déjà commencé avec les livres, vous avez lu, vous avez vu, lu, ouais, oui, effectivement les livres on les lit, ouais voilà. Sur les livres. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre de mes passions que j'aime beaucoup à faire parce que c'est vite fait, c'est pas compliqué, c'est rapide et ça fait plaisir. C'est de faire des petits bracelets brésiliens. Voilà, vous avez certainement déjà vu ou entendu ou voilà. Bracelets brésiliens, bracelets d'amitié, voilà, j'en ai fait plein d'autres, là il me reste que deux. Les autres, je les ai offertes à gauche et à droite, bien évidemment, parce que voilà, c'est ça, bracelet d'amitié, on les offre à ses amis. C'est un moyen hyper facile et sympa d'utiliser vos petits bouts de fil de laine qui traînent par là, que vous n'avez pas trop quoi faire avec. C'est très facile, vous n'avez pas besoin de grand chose, justement. Vous avez besoin des bouts de laine, des ciseaux, un bout de carton, crayon, voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite, comment ça marche. Allez, à tout de suite. Alors, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un bout de carton, voilà, peu importe, un peu costaud quand même, pas trop fin. Une règle, ciseaux, crayon, voilà, et ensuite, quelques bouts de laine. Première chose qu'on va faire, on va se créer notre outil. C'est très facile. On va faire un rond. Si le rond n'est pas complètement rond, ça n'a aucune importance. Donc, tout simplement, hop, comme ça. Voilà, je vais prendre 11 cm. Je vais mesurer 11 cm. Voilà, hop. Ensuite, 11 cm dans l'autre sens. Voilà. Hop. Ensuite, donc, ça va être la base. On va faire un trait en diagonale. Un autre ici. En diagonale. Mais sinon vous prenez tout simplement un bol là, c'est pas compliqué non plus hein. Un autre ici au milieu, un autre ici, voilà. Et là maintenant, pour avoir nos 11 cm, eh ben on va mesurer en diagonale les 11 cm, donc ici, ici, et dans l'autre sens aussi. Donc 5,5 au milieu, 5,5 au milieu, ça fait 11 et 11. Voilà. Tac, tac. Ça fait pas un rond parfait, hein, mais si c'est pas un rond parfait, c'est pas grave. Vous voyez, on le voit là, mais on ne le voit pas du tout. Ensuite, on coupe. Allez, on coupe pour faire un rond à peu près rond. Je vous dis, si le rond n'est pas complètement rond, c'est pas compliqué. Moi, je coupe déjà petit bout comme ça. C'est plus facile à manipuler. Voilà. Ensuite, je vais faire des encoches dans chaque ligne d'environ un demi centimètre. Hop. Voilà. Et un trou au milieu. Alors, pour faire le trou au milieu, trouver autre chose. Voilà. Faites le tout petit d'abord. Après, vous pouvez toujours l'agrandir. Voilà, ensuite, ça, donc,
c'est notre outil. Vous voyez à quoi ça ressemble? Parfait. Donc, on n'a plus besoin de ça. Ça, c'est poubelle. Et ça, non plus. Maintenant, pour savoir la longueur du bracelet, la longueur dont on a besoin, on va mesurer. C'est tout simple. Vous prenez un bout de fil. Je vais vous montrer. Un bout de fil. Allez, je prends ça. Hop. Voilà. Je pose sur mon épaule. Je fais courir le long de mon bras. Hop, je pose sur mon épaule. Allez, restez là, toi. Je fais courir le long de mon bras. Oui, bien. Christa, tu réussis bien ce matin. Hein? Ouais. Allez, hop. Jusqu'au là. Vous voyez? Jusqu'au là. Hop. Jusqu'au là. Cet endroit-là. Tout le long de mon bras, de l'épaule jusqu'au là. OK? Et ça, c'est la longueur dont j'ai besoin pour faire un bracelet pour un adulte. Ben, si vous voulez faire un bracelet pour un gamin, eh ben, vous prenez la longueur du bras du gamin. Hein. Voilà. Ensuite, 1, 2... Et ça, c'est tout simplement un nœud, tout ordinaire, voilà. J'ai mis un peu de colle pour que ça tienne bien. Et ici, j'ai fait autre chose, j'ai fait un nœud. Oh, un nœud un côté et une petite machin là pour passer l'autre côté. Donc, une fois autour du bras, du poignet, et bien vous passez ça à travers et c'est votre fermeture. Voilà, tout simplement. Alors après, vous faites comme vous voulez. Donc, je prends mes bouts de laine là. Voilà. Bien la même longueur. Voilà, hop. Descends un peu. Ok, alors j'ai 3, 2, 4, 6 et une septième. Voilà, je fais un nœud. Hop. Je laisse un peu de marge parce que je ne sais pas encore comment je veux faire. Voilà, parce qu'après vous pouvez adapter, vous pouvez couper ou selon ce que vous avez besoin. Et maintenant, on va essayer de passer nos fils. Il va falloir agrandir un peu là. À travers. Ok, vous voyez ce que ça donne? Voilà, le nœud il est là, l'autre côté. Ensuite, vous prenez 2 par 2 et vous passez, vous posez face à face. Face à face. Alors, 1, le vert dans l'encoche en haut. Donc, l'autre verre dans l'encoche en bas. Ensuite, le blanc dans l'encoche ici et l'autre blanc dans l'encoche, peu importe dans quel ordre. Il n'y a pas d'ordre, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, ici. Ensuite, il me reste le jaune. Passez un ici. Et l'autre en face. Maintenant, il me reste le mauve que je mets ou là, peu importe. Allez, on va le mettre ici. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Vous voyez? Donc, toujours face à face, face à face, face à face.
Ensuite, moi je trouve beaucoup plus pratique, après on peut avoir d'autres techniques, celui qui vide, je le mets toujours en haut. D'accord? C'est plus facile pour se repérer. Ensuite, vous prenez un des fils, vous commencez à compter dans le vide. Celui-là, dans l'encoche vide. L'encoche vide, l'encoche vide, c'est toujours l'encoche 0. OK? Donc, vous commencez à compter 0, 1, 2, 3. Je prends le jaune et je le passe dans l'encoche vide. D'accord? Maintenant, il y a une chose qui est importante. Il faut toujours partir dans le bon sens. Je mets le vide en haut et je pars toujours vers la droite. Si vous voulez commencer par la gauche, vous pouvez commencer par la gauche, mais il faut toujours rester dans la gauche. Hein? Vous commencez vers la droite, il faut toujours rester vers la droite, il faut toujours compter vers la droite. Vous commencez à compter vers la gauche, ben vous continuez à compter vers la gauche. Donc 0, 1, 2, 3, donc c'est le vert, et je prends le vert. Hop, et je le mets dans l'encoche vide. Je tourne mon disque. 0, 1, 2, 3. Donc, le blanc, il va dans l'encoche vide. Je tourne mon disque. 0, 1, 2, 3. Le mauve, il va dans l'encoche vide. Je tourne mon disque. 0, 1, 2, 3. Le jaune dans l'encoche vide. De temps en temps, vous tirez en bas sur l'autre côté, sur le bouton, pour faire descendre votre bout de bracelet. Je tourne 0, 1, 2, 3. Donc, le vert, il va dans l'encoche vide. On tourne 0, 1, 2, 3. Le blanc dans l'encoche vide. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire le disque plus grand, plus petit, ça n'a pas d'importance. Vraiment, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir 2, 4, 6, 8 encoches. C'est pour le basique. Hein. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués. Une autre façon de ranger les fils. Une autre façon de passer entre les deux. Et ainsi de suite. Voilà. Après, il y a des trucs plus sophistiqués. Vous pouvez même acheter des choses comme ça. Pour ce que je veux faire. Ça me suffit largement, petit disque comme ça. C'est vite fait, un bout de carton. Tout le monde a un bout de carton qui traîne quelque part. Donc, voilà. Allez, on continue. Voilà, vous voyez là, tout ça c'est fait. Bon, c'est vrai, c'est un peu long, mais bon, pas grave. On fait double tour autour du poignet, peu importe. Je voulais aller jusqu'au bout. Voilà, c'est fait. Allez, je vais continuer encore un peu. Et en fait, à la fin, c'est tout simple.
pas compliqué du tout, vous allez voir. Voilà, je vais arrêter là. Allez, on enlève tous les bouts doucement. On sort tout ça. Hop. Voilà. On tire. Et voilà. Et on fait un nœud, tout simplement. Après, si vous voulez faire une fermeture spéciale, une vraie fermeture de bracelet, faire plus long, faire plus court, faire un gros nœud pour fermer comme je fais ici, voilà. Ça, maintenant, tout est possible. Et voilà, petit bracelet d'amitié. Vous voyez, comme c'est joli. Non, là. Voilà. Bon. Ça vous a plu? Allez, allez le faire. C'est marrant. C'est amusant. Et puis, comme ça, vous pouvez utiliser les tout derniers chutes de laine. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.